Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfo pour un nouvel épisode de Enderal. Ouais, ça fait une éternité. Ça fait une éternité. Ok. Donc merci le mec. On s'était arrêté. J'ai pas regardé mes épisodes parce que je suis le pire évidemment. Donc je ne sais plus du tout ce que je faisais, mais très probablement. Le con. Il y a un dogo chien ici. Alors, je sais même plus si c'est une touche en plus pour courir. Regarde, il a buté le chien. Mais non, pas les toutous. Bon, oh, merci. La touche pour courir, non, ça c'est pour sneaker. Je ne sais plus. Ah, c'est ça, ok, c'est gâchette du haut. Donc, ok. Impeccable. Putain, on a buté un loup qui a buté une chèvre. On butait des trucs. Ok. Bon. On va tout pouvoir fouiller tout partout. C'est la seule chose qui nous intéresse réellement. On avait commencé à lire des livres sur le boucher, ce genre de choses. Ça ne se récolte pas, mais très mignon comme petit arbuste. Et bah, c'est à peu près nos quêtes, hein. C'est-à-dire que vous trouvez le deuxième, troisième, quinzième bouquin sur le sujet. J'ai parlé à Jesper, il faut que je parle à Alfred, l'enfant de Hiero. Trouver le coffre-fort de Hiero, que Hiero a jeté dans la mer près de sa maison. Oula, attends. La nuit dernière, j'ai eu une sorte de vision. Quand cet instant, je crois que c'est la quête principale, hein. Ça, c'est le tuto, si tu dis pas de bêtises. C'est le prologue. C'est terminé, j'ai entendu les deux hommes prononcer exactement les mêmes phrases que dans ma vision. Ensuite, des bandits ont attaqué le barrage et les ont tués. Je dois ma vie à un mercenaire nommé Jesper Dalvarek. Il m'a expliqué que ma fièvre est causée par l'éveil de mes talents magiques et a offert de me présenter à ses employeurs qui pourraient me soigner. En retour, je dois l'aider à faire la lumière sur le massacre causé par un magistère. Ok, la fièvre arcanique... ok, j'espère n'avait pas d'explication à mes étranges visions. Il m'a néanmoins dit que j'étais sûrement la fièvre arcanique, une réaction physique à la naissance de mes talents magiques. Je dois trouver un arcaniste aussi vite que possible pour qu'il m'aide à faire baisser cette fièvre, ou elle pourrait se révéler mortelle. Quoi qu'il en soit, Jesper m'exhorte à la prudence. Les potions de soins, la magie blanche et les zones contaminées par la magie peuvent aggraver ma fièvre. Ah, donc faut que j'évite les soins. Super. Bon, on va manger des pommes, hein. Cool. Et là, c'est looter des connaissances. Ok. Looter des connaissances, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Est-ce que je fais le pire et je me déplace tout le long comme ça? Rigolez pas. Est-ce que c'est pas ma plus sage décision de me déplacer? Accroupi. Ah, pour une fois que c'est une idée de génie, hein. Attention, hein. Lire. Frontière des terres protégées. Derrière ce col, aucune protection contre les égards et voyageurs. Attention aux chutes de pierres et aux attaques. Comme c'est rigolo. Alors premièrement, chute de pierres. Voilà. Fallait prévenir un peu plus tôt et pas un peu plus tard. Papillon. Est-ce que je vais mourir en essayant d'attraper ce papillon? Non, c'est... Je crois que le bouquetin ne m'aide pas à augmenter ma discrétion. Puisque le bouquetin n'est pas considéré comme un ennemi. Quoi? Je crois qu'il manque des sons là. J'aurais dû avoir un son sur le bouc. Ah, je crois que c'était déjà un bug qu'on avait. J'avais pas genre un arc qui fait pas de bruit. Bof. Qui sait. Alors oui, je joue à la manette. J'ai toujours joué Elder Scroll à la manette, hein. Désolé, hein. Ok, j'ai mis une flèche. Ça compte visiblement. Je fais le tour dans les coins et les recoins. Hein. Deux fois il y a des trucs dans les coins et les recoins. Hein. Donc, je vais pas me gêner. Papillon.
Papillon. Champignon. Ah ouais. Moi je connais la vérité hein, dans ce jeu. Hein. Dans tous les Elder Scrolls, la vérité c'est déjà ramasse tout ce que tu peux ramasser. Parce que tu feras des thunes. Que tu as besoin de thunes. Pourquoi? Pour absolument tout et n'importe quoi. Acheter des trucs. Comme ça les gens voient que t'as des trucs. Comme connaît sa chanson. Je prends. Ok. Cascade. Ok, cascade. Ok, ok. Non, j'accepte. Hein. Cascade. Ok, ok, ok. Et. Cascade. Ok, j'accepte aussi. J'accepte. J'accepte l'ensemble de vos propositions. Coffre? J'accepte cette proposition. Cool. Trop cher en plus. Hein. Je dormirai bien une petite heure, mais je crois pas que je sois moché. Sauter, c'est sur Y. Ah, je saute pas où. Ah, je saute pas où. Ah, c'est pas ouf. Ah, c'est pas ouf. Oh, le parcours. Hein? Petit DR, t'es qui? Bandit de grand chemin? Il sent la noisette? On me rappelle soudain ce grand jour de fête? Oh putain, on fait aucun bruit avec nos arcs, c'est ridicule. Mais je vais payer quoi, mec? Ah, c'est parce que je t'ai tiré ton coffre? Gueule d'archer m'amène. Oh, ça là, tu la payes. Non, tu la payes pas? Tu payes quelque chose à un moment donné ou. Ou pas du tout? Ah oui, c'est bon, là, tu commences à payer là. Hein? Oh, je te vois pas, tu triches, tu tires à travers les buissons. Le fait que t'es un bot. C'est tricher d'être un bot. Ok. Impeccable, ce type est mort. Ça fait plaisir. J'utiliserais bien un sort de soin pour monter mon soin, mais le jeu m'a dit faut pas. Bah, je vais pas le faire. Il m'a dit t'as pas le droit de le faire. Je le fais pas. J'ai même des sorts de magie, je sais même pas si je connais des sorts. Je crois que j'ai ça quelque part. Après, je vais faire une petite heure de sieste. Voilà. Hop! Voilà. Toutes les lésions cérébrales, les hémorragies. Y'a plus rien. Voilà. Plus rien, plus rien. Ok. Ah, j'aurais dû partir à la collecte des flèches. Ouais. Ça, ce qui est bien, ça, c'est aussi une casualisation des jeux qui est assez rigolote. C'est que. Excusez-moi, je vais parler de vieux souvenirs de rôlistes. Hein. Mais j'ai connu un monde où, quand t'étais rôliste, si tu ramassais pas tout comme un vieux clodo, bah il te manquait toujours quelque chose à la fin. Yes. Il te manquait toujours. Voilà, j'ai fait tout ça pour une petite givrette là. Je l'ai eu. Hop. Ok. Rien ici. Hein. Du coup, je ramasse tout et je vais dans tous les coins, tout le temps. Bon, des fois, vous le savez, hein, ça récompense dans ces jeux-là. Ils aiment bien des fois cacher des trucs. Ils aiment bien cacher des trucs. Pas chercher les flèches pendant son 7 ans, mais je me pose juste pour voir si j'en vois une ou deux. Je sais même pas combien j'ai 56 flèches, donc je suis pas si large que ça. J'ai même pas deux quarts quoi. Ok, bon bah écoute, roulons et déroulons. Hein. Oui, Jean-Claude mort, Jean-Claude le décédé, bien sûr. Il y a des trucs qui sont tellement fleuris que une ventilation de Wemer. Intéressant. C'est joli quand même, hein.
Bon, je cherche un peu trop, je pense que le jeu a pas poussé le chute de caille. Le délire jusque-là, mais moi j'aime bien pousser mes conneries jusqu'au bout, donc je vais pousser un peu. Je pousse aussi parce que je veux voir si le jeu a pas réfléchi plus loin que le bout de son nez, ou si quand même il a décidé de proposer des choses, quoi. Bon, voilà, rien de plus par là. Hop, 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 hop. Mais c'est des bouquetins, ça, là-bas, non? Qui me voit? Bon, ça, c'est un PNJ, hein. Ah non, c'est bel et bien une araignée. C'est l'araignée qui me voit. Hein. Oh les bâtards. Oh, je vais prendre tarif. Je vais mourir ici. Officiel. Oh putain, ouais, je vais crever ici. Voilà, c'est ça. Je vais voir la direct. Ok. Bon, je teste le jeu, hein. Voilà. Ouais. Ah oui, ma dernière sauvegarde, c'est juste avant de dormir. Bon, ça va. La qualité des sauvegardes. Je vérifie la qualité des sauvegardes. Donc, elle fait disparaître tous les objets normalement persistants, mais genre les flèches en fait. Basiquement. Basiquement, elle fait disparaître les flèches. Ok, donc on a des créatures en bas qui sont un peu chaudes. Ça marche. Hop, on va se récupérer nos trucs. Ok. Oui, d'ailleurs, on peut pas sauvegarder, je crois. Faut que je trouve un plumard. Hein. C'est ça. Si je peux sauvegarder? Eh ben, je peux sauvegarder. Très bien. Ok. Bon, c'est plutôt cool. Donc là, ce qui nous intéresserait, enfin ce qui m'intéresserait, c'est peut-être passer sur quelque chose d'un peu plus. Non, vraiment l'Xbox. L'inventaire. Arquelon fragile. Ah ouais, j'ai rien, mec. Ah, j'ai déjà l'arme la plus puissante en main. Oh la misère. Waouh. Juste pour savoir, j'ai un bouclier. Je crois que j'ai vu ça. Ah. Botte de vagabond. Bon, déjà on a un peu de tenue qui traîne. On a un peu de. Et ça c'est déjà équipé. Ok. Ouais. Bah écoute. Arquelon. Il y a toujours la roue des favoris. Ouvrir le menu des favoris. Ok. Voilà. On va se faire ça. Allez. Comme ça, si je fais ça. Ok. Ça met en pause le jeu. Ça a l'air de mettre le jeu en pause. Parfait. Bon, oh bah écoute. Eh. Hey. Hein? Hein? Voilà, petite sauvegarde, hein, bien sûr. Oui, déjà noté du coup. Rien à voir. Si, peut-être des champignons sur ce tronc. Même pas, rien du tout. Que dalle, le jeu. Je nous méprise. Très bien. Courge, parce que visiblement c'est le seul soin auquel on a le droit, donc peut-être pas mépriser ça plus que ça. Ok, est-ce que je peux les mépriser et genre me mettre en hauteur là où elles peuvent pas venir me chercher, genre sur ce potal, merde.
Attends, l'araignée, tu t'en fous, de toute façon, tu me vois pas, arrête. Arrête ton char baigneux. Voilà. Voilà. Ouais, on se refait une petite save. C'est parti. De toute façon, on ne peut pas me voir. Oh, ça a touché, ça. C'est un crit, hein. C'est un crit au cul. Oh, ça fait bizarre de pas avoir les sons de l'arc, ça fait chelou. Mais elles sont allées se cacher. Ah non. Donc moi j'ai juste pris tarif pour rien. Une blague. Une blague. Voilà, reviens. Revenez, revenez, revenez. Regardez, regardez, je bouge. Je me mouvoie. Reviens d'air. Mais bon, j'ai bougé là, viens d'air. Hop là, je t'ai vu, hein. Hop là, je l'ai vu. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. On switch. Voilà. Il manque des sons dans le jeu. Je sais pas si c'est la version du jeu que j'ai qui est peut-être un petit peu vieille, mais je dirais qu'il manque des sons. Bon. Je sais pas non plus si j'ai vraiment le droit à la magie, tout ça, tout ça. C'est marrant, hein. Du coup ça mélange une espèce de surviolence, mais au calme. Jeu ultra violent, mais au calme. Pourquoi pas? Hein? Bon. Oh, ça soigne? Ah, c'est rigolo! On peut trouver des plantes qui te soignent comme ça. Oh, c'est cool! Je croquais un peu de sève. C'était cool. Je me suis défoncé un peu. C'était hyper cool. Évidemment, je vais aller checker derrière cette cascade. Il n'y a rien à voir. La base du métier. Je vais voir du côté de cette rive, même si il y a très probablement rien. Il y a une boîte. Il y a du who. Who I am. Ok. Ouais, 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 ouais. Ça c'est pas lootable hein, de ce que j'ai vu. Et... Putain, saute quoi. Par contre, il y a ça là-bas. Là. Bon, on va arrêter de faire 50 sauvegardes. Hein, je me connais. Il va y avoir des sauvegardes partout. Je me connais que trop bien. Alors, on va garder les sauvegardes automatiques. Et ce sera bien. J'y vais pacifiquement. Je pense que ça va bien se passer. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Les gens ont l'air charmants. Bonjour. Non. Non, la dame n'est pas charmante. Non. Ah, mais non! Faut utiliser les soins. Oh, t'as fait un roulé-boulet de ninja? J'ai accru ma fièvre arcanique. Oh, dommage. Bon, bah, les gens sont pas. Oh, ça vaut de l'argent, je le prends. Petite heure de repos. Ah, j'ai plus mal aux côtes. Ça va mieux. En un instant, j'ai failli avoir mal. Et ça, c'est une petite sève de machin qui me rend toute ma vie. Cool. Cool, mais pas besoin en fait, finalement. Parce qu'il y a un lit juste à côté. Ok. Bon. Bon, va y avoir du bandit de grand chemin, visiblement. Ça a l'air d'être le thème.
avec des araignées. Mais moi j'ai envie de tout visiter. En plus, il y a des logos partout. Le jeu est en train de me dire, mais vas-y, va partout. Va partout, mec. Je vais aller voir ce qu'il y avait derrière les araignées. Allez, hein. On va regarder. Il y a des mélanges de temples à Leïd ou je sais pas quoi. Ça, c'est quoi ce machin? Ça doit être le nid de nos araignées. D'ailleurs, j'ai fouillé les deux cadavres, je sais même plus. Passe à un œuf. Allez hop. À moi. À moi le nœud neuf. Attends, j'ai déjà paumé mes cadavres. Je vous jure, j'avais deux cadavres d'araignées. Ah ouais, c'est bon. Les deux sont fouillés. Il y a un autre œuf par ici. Ok. D'être un peu dans. J'allais dire, ça a l'air d'être un peu dangereux par là, mais non. Ça a l'air d'être tranquille, allons-y. Comme d'habitude, les gens ont l'air charmants. Le lieu agréable. Avec un petit rocher au milieu de la clairière. Ok, une petite tache de sang pour nous accueillir. Ok, les crabes, les crabes. Source d'XP. Et en plus, ils rendent les flèches. Hein? Merci. C'est où ma flèche? Je suis douillé par le jeu. Je vais me le faire au clos celui-là. Je suis chaud. J'ai accepté de prendre des dégâts pour respecter ce crabe. Mais j'ai respecté ce crabe. Hop. Des courges. Un sac à la con, un tonneau vide. Oh, je vais tellement vous faire une fallout. Hein. Je suis désolé, hein. J'ai fouillé tout partout. Ça va être terrible. Hein. Vous pouvez déjà vous en aller. Hein. Rage quitté. Hein. À tout jamais. Hein. S'il y a un intérêt, est-ce qu'elle a des seins? À part pour un genévrier, je suis pas sûr. Je suis pas formel. C'est très perturbant, les champignons qui ne servent à rien. Qui me voit? Il y a un troll là-bas, t'es sérieux? Non, faut arrêter de me faire des blagues comme ça. Ancien camp des Trois Rivières, nouvelle découverte. Ok. Il y a des pigeons. On peut manger du pigeon? Le jeu a l'air de me dire oui et non à la fois. Non mais un troll quoi! Hop 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 hop. Mais je m'accroupis moi comme un crétin. Ou les gifles que j'ai pris. Hop 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 hop. Oh, il régène en plus le con, c'est ça? Oh, il régène en plus le con. Oh, c'est fini quoi. Il a win 400 fois au moins. Mais je peux pas le crever. Ah, il régène le con. Attendez, s'il y a un truc que je peux aller. Non, c'est pas où. C'est là. Magie. Bah c'est ça. Alors, soit magie, soit autre. Mais je vais pas y arriver. B, merci. Soit une torche. Une torche. Est-ce que je peux avoir une torche, s'il vous plaît? Je sais même pas où c'est rangé dans ce bordel. Une torche. Torche. Ok. Thank you.
Mais il régène trop vite. C'est pas butable ça. Ça régène trop vite ça, c'est pas butable. Enfin peut-être avec le sort de feu, mais on m'a dit de ne pas utiliser la magie. Je n'utiliserai pas la magie. Donc le troll par là, c'est un peu mort quoi. C'est pas qu'on l'aime pas, mais... c'est un peu trop exigeant. C'est un peu trop exigeant pour moi en l'état. Par contre, je peux toujours, voilà, aller à l'ancien camp des Trois Rivières. Checker ce qu'il y a dans cette tour, gentiment. Je dérange pas le troll, je passe juste. Ah, ça soit une sente, c'est rigolo. Encore une fois. Hop, 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 hop. Ancien camp des Trois Rivières. Donc bon, voilà. On peut toujours se faire ça. Un rat. Voilà. Je l'ai pas raté. Je vois rien du tout. C'est squelette man. Merde. Les combats du silence. Non, les combats du silence quand même, c'est un peu abusif. Bon, c'est marrant, hein, c'est marrant comme jeu, hein, mais je pense que ça s'adresse à ceux qui veulent du hardcore. Ah, je peux fouiller les caisses, rigolo ça. Non, ça n'existait pas ça. C'est New Age, ça vient de sortir. Il y a un arc. Ah oui, parce qu'il y a un squelette par terre. Et je veux le rat. Le rat de toute façon est vide. Déception. Et ton pote, je l'ai plombé là-bas. Ok. Stono est fouillable? Non. Ces caisses sont-elles fouillables? Non. De quelque chose. Oh putain, il y a quelqu'un d'autre. Rat. Niveau de serrure spécialiste. Oh mec, tu fais chier. Je peux passer par-dessus. Ok, on peut faire du parcours. Visiblement, c'est prévu comme ça. Tiens, tiens, tiens. Champignons cachés. Bon, par contre, les flèches qui disparaissent, je ne sais où, c'est quand même moyen. Alors là, j'ai relancé Oblivion. Oblivion, là, récemment. Et je dois avouer que c'est une chose que je reproche toujours à Skyrim et qui fait qu'il, pour moi, il est moins agréable qu'Oblivion, c'est qu'est-ce qu'il est sombre, ce jeu. Oh là là, t'arrives jamais. Je suis pas censé monter par là, c'est ça? Tonneau vide. 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 Peut-être censé monter par là. Censé monter par où? Genre, par là? Là où il y a la planche, là? Genre, là, c'est là que je dois monter. Intéressant. Très intéressant. Bon, bah, on passe par là. Hein. Tic, 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 tic. Des clous, des trucs, des machins. Sac, caisse. Du loot. Je veux même pas savoir ce que c'est, je prends tout. Je m'en fous. Et donc, potentiellement, un monstre, une créature. Un rat. Oh, deux rats. Comment vais-je faire? Mais ce jeu est bugué. Arrête de m'empêcher de tuer des rats. Arrête, arrête de faire ça. Je m'en fous. Quoi? Ah. Ah. Un jeu très mal branlé là par contre. Ah, les
Les hitbox, les gars. Alors, si c'est ça. Si vous nous empêchez de sniper des gens parce que vous êtes juste éclaté sur les hitbox, ça va pas être possible. On va pas pouvoir. En plus, je peux pas récupérer mes flèches tellement vous êtes nuls. Ça, c'est dommage, ça. Non, ça c'est une erreur dramatique. Faut pas faire ça. Super, j'ai perdu deux flèches dans cette histoire. Faut être spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. Je dois débloquer le souvenir qui va bien. Hop. Sauvegarde automatique si tu veux. Hop. On refait le petit parcours vite fait. Je voulais savoir si, malgré qu'on était spécialiste ou pas, on avait le droit ou non de déverrouiller. Visiblement, en voyant une serrure, on peut se dire non, on n'a pas le droit. Petite faute de goût. La clé. J'ai la clé pour me barrer. Une sorte d'invocation. Abuser. Des trucs et des machins. Peut-être que pour votre confort visuel et également le mien, nous pourrions prévoir également, dans nos favoris, idéalement, une torche. C'est vraiment parce que je suis un original. Le problème, c'est que les torches ont des durées de vie. Et que je vais les raccourcir. Oh, on va faire un cheval, trop bien. Un marteau, un compas. Des trucs, des machins. Ah, popo. Caisse à outils. Intéressant. Plan de casque de fer. Ça, on prend. Lingot de fer. On prend aussi. Plan de épée en fer. On adore. Ça, c'est Dior. Des pièces détachées. Des pièces détachées. Ok. Donc, ça a l'air d'être un autre établi. Un sac vide. Ok. On va en tuto craft. Alors attends, le jeu t'es en train de me dire que t'as prévu de base que on se tape le troll là. Avec notre vieil arc éclaté sa race, t'as prévu qu'on soulève le troll. Non, désolé mais non. Non. Pour améliorer vos armures, toute amélioration nécessite des composants. D'accord. Je peux améliorer mes gants en fer. Et tout ça demande du cuir. Ah non, ça demande du cuir. Ça demande du fer. J'ai du fer. Je peux donc améliorer mes gants en gants supérieurs. Hyper content. Voilà. Ah oui, mais il n'y a pas de notion d'XP comme... dans l'autre, donc je suis en gant supérieur et terminé. Cet établi ne sert à rien. D'accord, très bien. Non, c'est pas là. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. J'ai bel et bien, j'espère, les gants supérieurs d'équiper. Non. Ah, mais non, parce que excusez-moi. Je suis bait. Excusez-moi. Hop, voilà. Voilà. Est-ce que c'est bien ceux que j'ai en équipé, s'il vous plaît? Bien sûr que non. La robe usée, c'est ce qu'il y a de mieux en armure. Hein. 16 d'armure, incroyable, je vais prendre ça. Hein. C'est vraiment. Besta de l'armure, mon gars. J'ai même pas une armure lourde pour taper le troll. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas le taper, le troll. J'ai pas ce qu'il faut, quoi. On va faire une sauvegarde avant de se cogner le troll. Hein. Ah, par contre, ça a vraiment été pensé et conçu par des joueurs de. Ah, par là, il y a un truc, faut que j'y aille. Là, c'est les pierres de cygne, là. Faut que j'y aille. Volter le machin. Ok. En fait, le troll est globalement un peu impassable. Hein. Si tu prends pas sort de feu en main, ce que je refuse de faire, bien évidemment, puisque le jeu me dit que je ne dois pas faire ça, sinon je risque de me suicider. Donc non. On s'est soigné accidentellement, mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit à la magie. Alors, on pourrait faire le calcul parce que en haut il y a écrit qu'on aggrave notre fièvre arcanique de temps. Mais moi, je veux pas le savoir. Le jeu est censé avoir une petite volonté roleplay.
Deux chiens énervés. Ok. Façon, je suis repéré. Hein. Repéré pour repérer. Dans la bouille, mon gars. Beaucoup de violence gratuite, mais discrète. Ah! De la santé, de la vigueur. Bah, de la santé, hein. On va se prendre un peu de santé. Ah, je peux ouvrir votre menu de héros pour échanger le raccourci. H. Oh. Oh, je suis un héros haut en couleur. Je ne sais pas ce que sont ces 60%. Je ne sais pas ce que sont ces 1277 sur 2434. Peut-être des points d'expérience, vu le nombre. D'accord. Donc tuer des trucs me rapporte quand même des trucs. Ok. Et après avoir vu, j'ai développé aussi des talents d'archerie. Ok. C'est-à-dire que je peux continuer un petit peu à l'arc? C'est recommandé? Ok. Donc, on a esquivé le troll. Eux, ils gardaient des champignons, visiblement. Bon, les loups, visiblement, ça aime particulièrement bien les champignons. Véritable info ou intox? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. C'est trop grand, je suis perdu. Je me perds tout seul. J'aurais... Ours. J'ai vu un ours. Je sais qu'on peut pas se taper un ours. Problème réglé. On peut pas se taper un petit troll, on va pas se taper un petit ours. Hein? Pelle de cimetière. Une lanterne, je prends tout. C'est quoi? Ah oui, récolter. Bien sûr, bien sûr. Pas de champignons là-dessus? Pas de champignons là-dessus. Ouais. Bah écoute, on va laisser ça aux gens qui sont assez grands. Moi, je vais aller par là-bas. Alors, je vois le logo d'une ferme. Je vais aller à la ferme, je pense. Voilà, à la nage. Je vais renager, hein. Je vais pas mourir comme un con non plus. Hein. C'est bon. Un logo de Ruine Dwemer. Non, mais c'est bon. Calmez-vous. Laissez-moi respirer avant de. Est-ce que j'ai le droit de jouer? Qu'est-ce qui se ramasse là-dedans? Juste ça? Yo. Oh, oh, oh. J'avais pas fait gaffe. Ça ressemble à des bandidos, hein. Moi, dans le doute, je propose, on les tue, après on discute. Bandit de grand chemin. Bingo. Calme-toi, Rakaiman! On va aller se battre sur la rivière. Hein. Non, non, crève, crève, crève. Je te relève pas, tu te relèves pas. Je vais payer pour ça. Combien, combien, combien? J'ai un peu de sous, j'ai un peu de sous. J'ai ramassé des trucs. Vous voulez des champignons, madame? Bon, hop là. Hop là. Ah non, du coup, il faut que j'aille là. Objet. Ajoute dans les favoris et en main gauche, s'il te plaît. Ça peut bien se passer si on veut, monsieur. Il faut pas la ramasser. Ok, monsieur, monsieur, monsieur. Ça peut bien se passer, je vous dis. Je suis mort. Il m'a fait un dégât à bout portant. Hein? Hein? Ah, je suis pas mort. Oh merde, je pensais.
Ah, je le tue? Bon, d'accord. Ah oui, putain. Ah, c'était... si j'étais en train de boire ma gorgée de café, en mode, bon, bah, hein, on va recommencer, hein. Ah, oh, bah, on est large. C'était facile. Chercher dans le cadavre. Des très bonnes nouvelles. Une armure lourde. Ça, c'est de la très bonne nouvelle. Plan pour un marteau de fer. Excellent. Un livre d'habilité apprenti en alchimie. Oh, ça, c'est très, très intéressant. Ça, c'est une flèche. Je prends la flèche. Une charrette. Des gens visiblement très hostiles un peu partout dans cette région. Cause moult désagréments à des locaux tels que moi. Bon, on sent qu'on n'est pas toujours le bienvenu, quoi. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a un peu envie de dire. Il n'y a pas une petite racine là pour me rendre un peu de life. S'il vous plaît, la racine. Non, ça sent les embrouilles par là, je vais pas y aller. Je vais me casser de l'autre côté. Ça a l'air plus sympa. Ça se ramasse pas. Ah non, ça, je vais me faire douiller à chaque fois, hein. C'est sûr. J'ai des marqueurs de quête, hein, quand même. Hein. Enfin, c'est en train de me dire que je suis potentiellement dans le bon sens. Alors, je pourrais prendre le chemin, mais étant donné que c'est peuplé de bandits dits de grand chemin, du même nom, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'ai pas trop d'endroits où me reposer. Il n'y avait pas de racines là où il y avait les loups, je crois, pour me régénérer. Je vais revoir ça vite fait de l'autre côté. Champignons, pas de racines, mais pas la racine que je cherche. Juste un tronc à la con. Non, il n'y avait rien. Merde, il n'y avait rien du tout. Bon, bah, dommage. Je pourrais aussi voir ce que donne la nourriture, mais je pense que ça va rendre genre un demi-PV par un demi-PV, hein, pour histoire de bien faire. Histoire que tu manges 400 pommes. Tu manges 400 pommes, t'as récupéré 4 points de vie et demi. Hop là. Des potions de soins, non. Ça rend des points de vie tout ça. Vigueur. 4 points de santé pendant 5. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il faudrait qu'on se fasse cuire des trucs. 4 points de santé pendant... Ah, une petite gourde. Eh, franchement. Une petite gourde ou pas. Augmenter votre capacité d'emport de façon permanente. Mais oui. Mais bien sûr, excusez-moi. Livre d'habilité à l'alchimie apprenti. Mais tout à fait, dès maintenant. Pas croustillant. Andralé 1. Rassis pendant 240 secondes. Et octroie une... Rassasie, excusez-moi. Et octroie une régénération de santé hors combat. Plus votre santé est élevée, plus votre santé sera régénérée. Redonne 6 points de santé au lanceur. Ok. Ah, ça retape! Oh, ça retape! Mais non, mais j'ai mal parlé de la bouffe! Oh, j'ai bien mangé. Je me suis mangé... Eh, juste un fruit, hein. Bon, je me suis mangé tout le fruit entier, mais... Eh, juste un fruit, hein. Oh, j'ai tellement mal parlé des fruits et légumes. Je m'en excuse. Alors, rassasie, certes, mais je ne savais pas que j'avais une jauge spécifiquement de faim. Je ne sais pas. Il y a d'autres objets que ton bout de pain, là. Pomme, 4 secondes. Allez, petite pomme. Et on se fait une petite pomme avec. Voilà, c'est très bien. Et on est très content. Alors, il faudra arrêter de se balader comme un cake, hein, parce que visiblement, le monde entier a décidé d'être hostile, et moi, j'ai décidé de me balader comme un cake. Voilà. Popopo. Ah, mais il y a même des petites tombes, hein. Potion de manarance. Avec pierre du dernier voyage. Vas-y. Tu es ma lumière, mon éclat à l'horizon, ton nom est mon sacrement, et ta voix j'honorerai dans la vie comme dans la mort. La voix, verset C. Ok, bon, c'est dédié à personne. Le mouton. Même les moutons sont plus forts que moi, donc je me méfie. Hein. Je me méfie, je suis tellement un clochard. Hop.
Hop, ici. J'aurais dû couper à travers la montagne, je vais vers des multitudes d'embrouilles. Us. Mais j'ai tiré au-dessus de la chèvre. Mais je suis trop une merde. Bon, la réponse est oui, mais. Mais tout de même. Il y a une mine de l'autre côté, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est ça, le truc par là, là. Il y a une mine ici. La mine, encore une fois, je m'en fous. Je veux le caillou. Je veux savoir ce qu'est ce caillou. Là, il y a une ligne route. Avec des squelettes. Avec des squelettes derrière. Pourquoi? En plus, ils me font chier, moi. Vraiment une très bonne vue, la mire. Ah oui, c'est vrai que je suis en train de mourir en silence. Faudrait que je fasse gaffe, hein, parce que moi je vois rien, eux ils voient tout, bien sûr. C'est des PNJ, donc ils ont aucun problème avec ça. Je sais pas ce qu'est ce cercle. C'est intriguant. Putain, tout le monde est trop fort dans ce jeu, c'est une dinguerie. Tous les gens ont tellement la haine dans ce jeu. Bon, j'y vais pas avec beaucoup de vie non plus, mais. Alors déjà, les mecs me voient de si loin. Moi, je vais rollback. Hein. Si les gens sont trop méchants, je me casse, hein, c'est tout. Je ne saurais pas ce que c'est, mais je m'en fous. Les gens sont trop méchants. Où est du loup partout, et des bandits de grand chemin. Coucou. Ah, je t'ai raté, toi. Je t'ai raté à l'aller, quand même. Hein. Voilà, moi, c'est ça, c'est juste ça, ma vie. Moi, ma vie, c'est juste casser des cailloux, ça me va. Voilà. Moi, casseur de cailloux, ma vie est heureuse. Ah, tiens, mon meilleur ami. Tac. C'est ce truc-là. Elle est où ma capacité d'emport? Je suis à 368. Bah, je suis resté à 368. Ah, 369. Ok, ça augmente de 1 ma capacité de port. Ok. Bah, en fait, ce qui me dégoûte un peu, c'est que j'ai un peu envie d'aller genre nulle part, en fait. Parce que tout le monde me casse la gueule. Et du coup, ça m'intéresse pas de ouf. Est-ce que c'est parce que c'est moi qui suis un crétin et je dois pas aller par là, j'aurais dû aller ailleurs et suivre une route toute droite? Mais j'ai pas. Mais je sais pas, je vois des marqueurs de quête, moi je me dis que c'est le bon endroit. Il m'a déjà buté le con. Ah mais il y a toute une bande de dogos là. Mais tu rêves là. Oh, putain, le con. Ouais, il faut que je vienne full life, hein. Il faut que je vienne full life. Bon. Et full life, alors certes, avec toute ma vie, mais. Deux choses, il me faut mon champignon. Champignon, je sais plus où il est. Il me faut mon filon et mon champignon. Le champignon est ici, le filon doit être juste derrière. Il est là. Je m'habille en clodo de l'espace, quoi. Enfin non, même pas clodo du Moyen-Âge. Bon,
Tentons la meule là, qui a l'air. Pas la meule. Oh, c'est une petite meule de fromage. 300 secondes et octroie une régénération de santé. Hors combat. Bon, voilà. Bonne grosse meule de fromage, mon gars. Crois-moi bien qu'on va être tranquille pendant un petit moment. Je suis obligé de les taper parce qu'ils sont dans le, ils sont dans l'endroit où je dois me rendre quoi. Bon, sauvegarder. Hop. Putain, j'ai vraiment une discrétion à pleurer. Putain, on peut pas zoomer à l'arc, c'est vraiment, le Moyen-Âge du tireur. Par trois pauvres fous débiles. Triste, hein? Aucun ce coup-ci. C'est encore pire. Je pensais tirer des flèches au moins dans un loup et le tuer. Non, non, depuis tout à l'heure, je tirais à côté du loup. Et il me repère, mais auto, quoi. Mais il prend même pas la flèche, quoi. Ouais, il va chercher ta flèche, con. Mais... Mais j'en touche aucun, putain. Mais il me débecte. J'en touche aucun. J'ai déjà plus d'endu. Oh, c'est parti. Allez, on crève. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser la magie? J'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein. J'ai l'impression que le jeu me dit t'as pas trop le choix, mec, utilise la magie. Hein. Sinon, on dit que les loups sont trop forts et puis je me casse. Hein. Allez. Et puis on va les contourner. Hein. J'ai l'air de ne rien contourner du tout. J'ai l'air de juste partir ailleurs où il y a encore plus de loups. C'est une blague, il y a encore plus de loups, c'est ça? 1, 2, 3, voilà, autant de loups. Par plus de B, ça revient au même. Hein. Avec un puissance, vous êtes un peu plus sympa, mais voilà, c'est ça. La déception. Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas dû comprendre dans le jeu, où je suis devenu spécifiquement très très nul. Nul, je veux bien, très très nul. Pas vraiment. Ok, et eh ben on va utiliser la technique ancestrale du climbage. Ah oui, mais le jeu va pas vouloir qu'on escalade, c'est ça? Pas cette partie-là. Ok. Alors déjà, on va peut-être passer à l'antique épée vieille et rouillée de ses morts. Ok.
Ok, ok grand, ok, c'est bon, on y est. Eh ben. On y est, mais on n'y est pas encore, hein. Il faut passer derrière ça. Hein. C'est derrière ce caillou qui ne va peut-être pas vouloir qu'on passe. Ah, il a bien voulu, il a bien voulu, on est passé. On est dessus. Il est censé y avoir une ferme juste là. On va y aller. Elle est en ruine. Évidemment, quelle idée. Quelle idée de me dire que je vais tomber sur des braves gens civilisés. Mais bien sûr. Je me fais niaquer en même temps que je prends le tuto. Il vous faut trois choses pour fabriquer un objet. Un plan, des ingrédients et un atelier comme la forge. Les objets fabriqués sont normalement plus puissants que les objets ordinaires. Et certains d'entre eux sont des artefacts rares ne pouvant être que fabriqués. Merci mec. Même les rats me cassent la gueule. Mais même moi, j'ai envie de me casser la gueule tellement je suis nul. Les chevaliers de tannage permettent de transformer des peaux animales en cuir et de couper le cuir en bandes. Le cuir et les bandes de cuir permettent de créer et améliorer les armes et armures. Merci mec. Je peux me fabriquer un sac à dos basique qui me permet d'augmenter mon emport de 15. Oh. Ah du coup je peux vraiment fabriquer des trucs à cet endroit. C'est pas juste de la transfo quoi. Fais-moi un sac à dos. Accepté. Parce que je crois que je suis quasiment. J'ai quasiment atteint ma limite de port. Oui, non, ça devait être dans les objets, je suis pute. Hop, attention. Ouais, ça a été lu. Déjà appris. Recette de l'ambroisie. Recette de la potion d'ambroisie, voile spectro et solanacée. Faut buter des fantômes. D'accord. 20. Un aperçu géographique. Oh, très intéressant. Alors ça. Un aperçu géographique par Derek Dalmonag, arcaniste du deuxième sceau. Avant-propos, cette composition est approximative. Il serait imprudent d'affirmer que ce qui que ce soit connaisse. Dans toute sa grandeur. Il y a beaucoup trop de zones vierges sur la carte, beaucoup trop d'expéditions maritimes naufragées, trop d'îles qui surgissent et qui s'engloutissent dans la mer à chaque siècle. Ceci est, par conséquent, un condensé de tout ce sur quoi géographes, philosophes et clercs du monde civilisé se montrent d'accord. En fait, je me suis fait douiller, c'est pas du vin, c'est Vine dont on parle depuis le début, la région à tous les coups. Le monde civilisé, le monde impie, les continents sont le commandement des êtres de lumière, sont appelés monde civilisé. Cela inclut Kira, Arrazéal, Nérim, Anderaal, l'archipel de Kylé et bien sûr Inodan, la demeure des dieux. Sur chacun des cinq premiers continents règne un être de lumière dont le culte définit la culture de chacun des pays. Les terres connues du monde impie sont les îles Skarags, Mele et également Arctwend depuis la révolte de Zoras contre la bataille de Timatral. Alors que les terres des êtres de lumière sont régies par la paix et la stabilité, le monde impie se définit par l'anarchie, le chaos et le culte des idoles. On a l'air d'être par là, nous. La mer du temps et la mer rouge. La mer du temps entoure Myar Arana et Arctwent, les îles Skarag et l'archipel de Kylé. Le sud-ouest est tropical, mais le reste de la mer est tumultueux et orageux, ce qui a un lien avec la contamination magique suite à la guerre de Zora.
La mer Rouge entoure les continents de Nérim, Kira, Arazéal et Anderhal. Les terres du monde civilisé, même si leurs valeurs, leur mode de vie et leur philosophie diffèrent, les terres civilisées sont unies par les règles divines. Tous les citoyens du monde civilisé parlent Inhal et sont donc capables de communiquer entre eux. Cependant, les dialectes et les idiomes peuvent changer d'une terre à l'autre. Anderhal, notre terre natale, se situe au nord-est de Nérim, dans la mer Rouge. On estime que notre territoire est plus grand qu'Arazéal et l'archipel de Kylé, mais plus petit que Nérim et Kira. Anderhal est une terre variée. Il y a des landes de bruyères, des étendues de sapins, des forêts de toutes sortes, des littoraux fertiles, mais également des forêts cristallines et un vaste désert. La capitale est Ark. Au sud-est, constitue sur la colline du Rocher du Roi. Enderal est le quartier général du Saint-Ordre et le domaine de l'être de lumière Malphas. L'archipel de Kylé est composé d'une chaîne de 77 îles tropicales au total et est situé à l'ouest des îles Skarrag, dans la partie calme de la mer du temps. Les îles de Kylé sont considérées comme dangereuses en raison de sa faune exotique, mais sont riches en ressources naturelles et en épices. La capitale de Unyiar, la flemme, hein. Parce qu'on nous parle des trucs qu'on ne verra probablement jamais, localisée sur la plus grande île, surnommée l'île bleue. Les Kyléens prient la déesse Morala. Et Arazéal se situe au sud de Kira et est principalement composé de Velds et de déserts. Je ne sais pas ce que c'est des Velds et des déserts rocheux. L'appartenance d'Arazéal au monde civilisé fait débat, conséquent du conflit entre les tribus sauvages de l'ouest et du sud et les peuples civilisés habitant sur le littoral. Pour tous les intéressés, l'auteur recommande son œuvre La guerre pour Arazéal. Les Arazéaliens, civilisés, vénèrent l'être de lumière Irlanda. Kira est, avec Nérim, le plus gros continent de Vine. Elle est frontière avec l'est de Nérim. Trois quarts des étendues de terre sont couverts de déserts stériles, au centre desquels se trouve une énorme formation monolithique connue sous le nom de Lance d'Azathoron. La capitale de cette terre, nommée Al-Rashim, se situe sur la côte sud-est. Al-Rashim est réputée pour être la grande ville construite par l'homme jusqu'à présent. Les Kiraniens vénèrent l'être de lumière Saldrin. Nérim est localisée au centre de Vine et est, avec Kira, l'un des deux plus gros continents. Nérim est séparé en trois régions. Le royaume du sud, avec son climat subtropical, dirigé par un culte d'idoles, le temple du créateur, qui fait donc partie du monde impie. Le royaume du nord et son paysage montagneux et enneigé, et le royaume du milieu, terre tempérée. L'être de lumière, Hérodan, était vénéré dans les royaumes du nord et du milieu jusqu'à sa disparition de ce monde. Le royaume du nord se divisa en 8225 après Meth, à cause d'une rébellion néfaste du royaume du milieu. Depuis, les deux royaumes se disputent une guerre sans merci, laissant le royaume du sud complètement de côté. Le royaume du milieu est gouverné par le chancelier Baratheon. Oh, Barakafion! Depuis 2202 après Meth, après la fabrication de la Meth. Les terres impies, les îles Skarrag. Les îles Skarrag forment un groupe de quatre grosses îles, en plus d'autres plus petites, au milieu de la mer du temps. À cause de la contamination magique, les îles Skarrag sont dotées d'une végétation peu abondante, rocheuse et très inhospitalière. Les îles sont gouvernées par trois tribus sauvages qui sont constamment en guerre. Les matriarches au sommet de leur hiérarchie s'appellent les Ostéomanciennes, des sorcières qui déclarent être en contact avec les morts via leur magie renégate. Myar Aranath est la terre natale des Aeterna. Elle est située au nord-ouest d'Arkhven, au centre de la mer du temps.
Même avant d'être dévastée par la guerre de Zora, Myar Arranat était une terre inhospitalière majoritairement constituée de forêts, de mangliers, de marais et de tourbières. Depuis la contamination magique, l'air est lourd et difficilement respirable, et l'odeur de magie anthropique est partout. Myar Arranat n'a jamais été sous l'égide d'un être de lumière. Depuis la guerre de 4523 après Meth, la plupart des Aeternas ont déserté l'endroit. Aujourd'hui, des harpes et des enfants des marais peuplent cette terre. Des tribus brutales et primitives, ce qui ne représente même pas une once de ce qu'était la civilisation avancée qui peuplait jadis Myar Arranat. Arcvent, initialement Tirmatral, est un énorme continent à l'ouest de Nérim, d'abord un empire énigmatique sous le commandement de l'être de lumière Tyr. Cette terre a été depuis la plus récente guerre de 8202 après Meth, abandonnée majoritairement, peuplée par des bandits et des pilleurs de tombes vivant dans les ruines en quête de fortune. Voilà. Voilà. Bah, on a appris des choses, hein, c'est cool, hein. Je ne sais plus ce que je cherchais. Du coup, je cherchais sûrement quelque chose. Mais je. Ah oui, le sac à dos. Le sac à dos, je sais pas si. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'il est rangé. Je sais pas s'il est auto-fusionné avec mon organisme. Donc, on va le chercher. Ça, je peux pas les apprendre. C'est genre, je sais posséder. Plan du petit sac à dos, c'est fait. Ok, bah, je. Ok. PQRS sac à dos basique. Voilà, merci. Cool, j'ai l'arbo. Waouh, je suis swag. Ok, qu'est-ce qu'on a? Un parchemin griffonné. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout le monde est bizarre. Les animaux sont méchants et ils ont mangé maman et papa. D'accord, super, cool. Ok, donc en fait, c'est juste. Okay, parce que moi, un des trucs qui allait me faire râler, c'est de me dire. Mais en fait, le jeu est devenu n'importe quoi. D'entrée de jeu. Fais-moi faire une sieste, faire une sauvegarde en plus, dans ma lancée. Ça veut dire que les loups sont assez loin. C'est bon ça. Oui, je sais normalement crocheter. Hein. On va se la tenter comme ça. Ok, c'est plus par là. Merci. Du pognon, je prends. Ensuite, le panier, je le prends. Le tonneau, je le prends. Je prends tout. En fait, donne tout, ça te fait pas chier. Le boucher d'arc volume 1 suit le feu. On appelle le boucher blessant. Mais ça, je l'ai déjà lu ça. Non, mais attends, on peut le prendre tout court. Hein, parce que je prends le pognon. Donc le livre était un peu énorme. Prendre du sel, ok. Par contre, c'est vache. Hein, y a de quoi faire un feu et tout. Mais j'ai pas le droit. Tonneau vide. Tonneau vide. Ok. Vérifier. Est-ce que la nouvelle épée est mieux ou pas? Les armes. J'ai ramassé une épée de fer. Qui vaut exactement la même merde. C'est juste moins lourd. Cool. Bah, je vais me battre avec ça du coup. Voilà. Ou alors je passe à la hache. La hache, ça fait plus de dégâts. La masse, ça fait plus de dégâts. Vire-moi cette merde. Équipe-moi ça. Ça cogne plus. Arc long, ça a toujours pas changé. J'ai pas de meilleure flèche. Ma vie, c'est de la merde. Une sauvegarde, s'il vous plaît. Cool. On va pouvoir masser la gueule des gens avec ça. Il y a un puits sur le côté. Je regarde juste s'il n'y a pas un truc à se grailler ou un machin. Hop. J'ai vu un petit puits ou un truc ou un machin. Ouais, c'est ça. Il y a un puits. Putain, pour des péons, ils ont un sacré puits, hein. Qu'est-ce que quoi? Maintenant que la messe est dite. On procède. On procède dans l'ordre. Connard. Oui, putain. Ah, mais ils étaient trois. Évidemment, quelle question. Évidemment. Évidemment.
Je ne peux pas buter des loups. Juste le seum, je peux même pas tuer des loups. Donc je peux pas aller à cet endroit, je peux pas aller au puits. Donc par contre, je peux récupérer les deux fleurettes qui étaient là. Je vais les récupérer. Ok, ça c'est un petit chemin qui sent bon la noisette. Okay, c'est très envahi, hein. Très envahi de fleurettes. Les tonneaux des embrouilles. Là-bas, c'est là où il y a les squelettes. J'aimerais bien y jeter un oeil, mais. Je crois que j'ai pas le droit. Je crois que les squelettes sont un peu trop forts. Pareil, ils sont vendus par paquet de 3. Moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, c'est les marqueurs de quête, là. C'est là où je dois aller. Fort de ma nouvelle masse, est-ce que je tenterais pas de me masser quelques squelettes quand même? Écoute. La masse est plus lente, mais allons-y, hein. Juste histoire de découvrir l'endroit, voir au moins ce que c'est, quoi. Ancien cercle des errants. Ok, ça c'est fait. Bon, je suis mort. Même avec un bouclier, je suis tombé. Ils peuvent se faire, hein. Ils peuvent se faire si j'ai un peu mieux mon truc. Ça peut se faire. J'aimerais voir c'est quoi ces cercles de pierre en fait. Ça, je me dis que ça a peut-être un rôle comme dans Skyrim, le classico Skyrimo. Hop, on peut récolter des trucs aussi. Arrêter de courir comme un débile et d'alerter tout le monde. Et on peut parculer un peu. Quoique, bon, allons-y, courons comme un débile. Putain, je l'ai raté. Alors ça, on va recommencer direct, hein. On le dit tout net. L'autre technique, c'est peut-être d'y aller avec quelque chose d'un peu plus lourd. Genre directement en arme à deux mains. Mais bon, le coup de masse puissante, il a pas le droit de passer à côté. C'est interdit. Il a pas le droit. C'est un faux. Faux usage de faux. Direct. Par contre, ça abuse comment les squelettes me voient de si loin. C'est démentiel. Il y a une entrée de mine aussi, là, juste là, normalement. Il y a un logo de mine. Bosquet chatoyant, nouvelle découverte. Ouais, d'accord, moi je veux bien, mais. Comment. Où? Ok, des courges. Cool, on adore. Un coffre. Ça aussi, on adore. Charbon, hache. Ok, je prends tout. De toute façon, moi, je suis le genre de mec qui dépouille tout. Donc ça sert à rien de me poser la question. C'est pris. Hein. Si c'est disponible, c'est ramassé. Hein. Voilà. C'est à moi, à moi. À moi. À moi. Une entrée de mine, ok. Parce que je me ferai pas la mine en attendant d'être assez gros pour avoir le droit de taper les squelettes. Ça peut se faire, hein. Ça se discute, hein. Toutes les caisses ne sont pas fouillables, hein, d'ailleurs. C'est un peu Zarbi One Kenobi. Ok. Ah, ça suffit les loups. J'ai pas le niveau pour vous taper. S'il y a des rats, j'ai le droit de taper des rats. Je suis niveau 2, j'ai le droit de taper des rats. C'est tout ce que j'ai le droit de faire. Mais encore, c'est si les rats ils sont pas trop méchants. Si les rats ils sont méchants, c'est foutu. Oui, de toute façon, il y a eu une sauvegarde en rentrant. Je vais sauvegarder tous les 3 mètres. Même si c'est le style de jeu. Hein. Mais bien sûr. Bah oui, évidemment, un troll des cavernes. Je vois pas c'est quoi le problème. Vous voyez un problème, vous? Moi, je vois pas rien. Moi, je commence le jeu, je suis niveau 1, 3 des cavernes. Il est où le problème? Bah, vous avez vu ce que je lui ai mis? Bah voilà. Oh, il est le problème, hein.
Ah, le jeu débile! Ah, moi, le jeu, là, le jeu, tu vois, il a voulu faire un Dark Souls. Il m'a dit, je veux pas que tu joues à mon jeu, casse-toi. Ah, c'est full troll des cavernes en plus. C'est pas genre un troll des cavernes à gauche. C'est où que tu ailles, ce sera du troll de caverne. Bon, bah, écoute. Allons voir des squelettes, hein, si c'est ça. Hein. Je vois que ça. Hein, Oh, on peut zoomer sur les tableaux, c'est rigolo. Zoom. Des zooms. Bon. Bah, moi, vous savez quoi, hein, ce qui va se passer, hein, c'est que si le jeu veut pas que j'y joue, je vais pas y jouer. Hein. C'est tout. C'est tout, hein. Vous irez voir des streamers 100 fois plus intéressants que moi. Oh, j'avais lancé mon coup avant, mais je suis trop lent. Ah, mais il n'y a pas 3 squelettes, il y a 4 squelettes. Est-ce que je peux consommer un objet? Je peux manger un petit truc là? Ah, du bœuf, c'est peut-être un peu abusif. Une petite bière imbuvable là pour bien démarrer en côte. Non, on va se mettre une petite gourde, restaure 4 points de vie. Ah oui, mais c'est hors combat, du coup là ça régène pas, c'est ça? Faut que je me casse. En combat. Je suis pas en combat. Je suis pas en combat. Je suis pas en combat. Bon bah je suis en combat. J'ai pas le choix. Ah et en plus j'ai un truc qui me gêne. Vous trichez. Ma réflexion sur le jeu, c'est que le jeu est infect. Voilà. Le jeu est infect. J'estime que quand tu tapes ton premier loup, ton premier bandit de grand chemin, ton deuxième bandit de grand chemin, deux araignées, ok. Ok. Suivi de trolls des marais, suivi de trois bandits qui te cassent la gueule, suivi des loups distribués 3 par 3 qui te cassent la gueule. Et des trolls des marais, des squelettes par 4. Déjà, pourquoi pareil, j'ai des rats et des squelettes ensemble. Enfin bref. C'est un petit peu trop. Je vais être gentil. Je vais retenter une fois au chalet. Parce que je les ai quand même laissé me mettre une flèche ou deux de gratos. Mon premier coup est passé à côté. C'est une catastrophe. Mais en fait, j'ai l'impression que vu que mon niveau a augmenté, le nombre d'ennemis a augmenté. Au début, c'était vraiment 3. Ok, il y a un système de pari. Bah là, il faut déjà que je pète une potion de soin. Direct. Bah ouais, je suis mort. Non, non, je peux pas. Je peux en coucher 3, mais pas 4. Ça, c'est sûr qu'avec le stuff que j'ai, couche 3, mais pas 4. Voilà. Donc, c'était bien. Je vous remercie. C'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming pour Enderal. Et puis, je pense que c'était le dernier épisode. Voilà, merci.